reason. Madame, Monsieur, bonjour. Le président Patrice Talon a reçu vendredi dernier le rapport des travaux du comité d'experts chargé de la formulation technique des mesures législatives suite aux recommandations du dialogue politique. Nous évoquerons le sujet, notamment le contenu du rapport, avec le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. On parlera également de la réserve émise, sinon la prudence du chef de l'État face aux modifications contenues dans le dit rapport et qui vont induire la révision de la Constitution. C'est dans cette émission spécial qui s'ouvre tout de suite avec, disais-je, comme invité, M. Alain Orunla. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Aitévi. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale dominicale sur Golf TV Africa. Nous allons suivre en entrée un élément, le reportage relatif à cette remise de rapport par le comité d'experts et nous revenons juste derrière un plateau. Le chef de l'État a reçu des mains du coordonnateur du comité d'experts le rapport final de formulation technique des recommandations du dialogue politique déroulé du 10 au 12 octobre dernier à Cotonou. Tous les 5 points retenus à l'issue du dit dialogue sont maintenus et mis en forme conformément aux mesures législatives. Une mission accomplie qui a toute sa valeur à en croire le président de la République. Chaque génération, face à ces défis, déploie ses grâces pour avancer. Je crois que la nôtre est en train ainsi de démontrer sa part dans la construction durable de notre pays éternel. Je voudrais, au nom de nous tous encore, exprimer cette satisfaction et dire que la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, ne manquera pas de jouer son rôle pour la concrétisation, la finalisation de ce processus. Le président de l'Assemblée nationale a pris l'engagement au nom de son institution de jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs. Vous avez joué votre partition depuis jusqu'à ce jour, impliquant parfois, comme entremède, l'Assemblée nationale à divers niveaux, du moins par insinuation des fois. Et aujourd'hui, vous voudrez bien que l'institution parlementaire joue pleinement sa partition pour l'atteinte des objectifs. Vous avez promis faire le lobby nécessaire. Le président, il est président de l'Assemblée, mais le vote est personnel et la voix est unique. Donc je compte bien sur le lobbying que vous voudrez bien faire au niveau de mes collègues pour que le lobbying de persuasion, d'explication, au niveau de chacun d'entre eux, pour que la mission que vous me confiez aujourd'hui en tant qu'institution, cette mission soit effectivement remplie. La création de ce comité de 9 membres qui a fait le travail a été décidée lors de la rencontre du chef de l'État avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 17 octobre dernier au Palais de la République. Voilà, merci Alassane Sani pour ce reportage. Monsieur le ministre, à nouveau bonjour. Bonjour. Dites-nous, quelles sont les caractéristiques de ce document, de ce rapport qui a été remis vendredi dernier au chef de l'État? Les caractéristiques, c'est que ce rapport émane d'un comité d'experts techniques. La composition de ce comité a été rendue publique. Il s'agit du présidium qui a organisé le dialogue politique, donc qui a recueilli les recommandations des participants, auxquelles on a ajouté des membres désignés par le président de la République ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale.
qui sont connus pour leur expérience en matière de gouvernance, expérience en matière de rédaction de textes législatifs. C'est un comité dont l'expertise ne fait aucun doute et qui était à même de traduire en termes techniques les formulations, donc des recommandations issues du dialogue politique. Alors, c'est vrai que c'est un rapport qui a une valeur de suggestion, puisque tout ne sera prêt que lorsque l'Assemblée nationale aura joué sa partition, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a vocation à faire les lois, mais l'Assemblée nationale est outillée en raison de la qualité du rapport qui a été rendu pour se voir faciliter la tâche de l'élaboration de ces textes. Le rapport en question, d'ailleurs, a fait des propositions de loi. Ça veut dire que le travail a été rendu digeste. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est que nos honorables députés discutent, bien que le consensus se soit établi autour de ce qui a lieu de faire, discutent et trouvent les formulations les plus adéquates, les plus adroites pour traduire en termes de loi les propositions et les recommandations recueillies par les différents rapports qui ont été remis au président de la République en présence du président de l'Assemblée nationale. Quelle est la différence entre ce rapport remis vendredi dernier et celui transmis au chef de l'État le 12 octobre à la suite du dialogue politique? Mais la différence, elle est fondamentale. D'abord parce que si elle ne l'était pas, on n'aurait pas mis en place un comité d'experts. Le premier rapport est un rapport qui sanctionne des discussions entre politiques sous la supervision du professeur Sousa qui était facilitateur, qui était modérateur, mais pas expert. Donc c'était la synthèse de discussions politiques, de débats politiques, l'expression de doléances, de recommandations dont on a retenu celles qui étaient plus consensuelles. Qui étaient contenues dans le premier rapport. Qui étaient contenues dans le premier rapport qui a sanctionné les assises des 10, 11 et 12 octobre dernier, et qu'il fallait rendre un peu plus digeste. C'est pour ça que le président de la République a eu l'initiative de mettre sur pied un comité d'experts qui avait pour objet de traduire ces différentes recommandations en textes susceptibles de passer en proposition de loi, c'est-à-dire la formulation technique de revendications politiques, de revendications peut-être légitimes, la formulation de ces revendications, de ces doléances, de ces recommandations en texte ou en prétexte de loi. Et là, c'est un travail d'expert, c'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience en matière de droit, une expérience en matière législative pour formuler techniquement ce qu'on a retenu. Par exemple, quand on dit mesure d'apaisement, une mesure d'apaisement reste générale. Ça n'a pas de traduction juridique autrement que par l'élaboration d'une loi d'amnistie, ça devient technique. Et quel peut être le contenu possible de cette loi d'amnistie? C'est un travail qui relève d'une compétence, d'une expertise, ce qui explique qu'on ait mis sur pied cette commission d'experts. Donc la différence qu'il y a dans les deux rapports, c'est que le premier rapport est un rapport qui sanctionne un travail politique, qui sanctionne une discussion, un dialogue politique. Le deuxième rapport, c'est un rapport technique, prêt à être consommé, non pas en fast-food, mais par une institution, l'Assemblée nationale, qui peut puiser suffisamment dans la richesse de ce rapport pour faire son travail d'élaboration de la loi. Alors, on retient de l'exposé du coordonnateur du comité d'experts, Monsieur le ministre, la nécessité de modifier et de compléter certains textes de notre droit positif. Vous en parliez à l'instant. Nous allons partir d'abord avec la charte des partis politiques. Ce rapport suggère la modification des articles 21, 23 et 25 de cette charte des partis politiques. Dites-nous, Monsieur le ministre, quelles sont les améliorations apportées à ces différents dispositions. Le président de la République, dans son allocution introductive donc à ce dialogue politique, a tracé le canevas. Et je pense que cette perception a été partagée par tous ceux qui ont participé à ce dialogue politique.
L'objectif, c'était de revoir, de revisiter et de toiletter éventuellement les dispositions législatives qui ont été confligènes. Je veux parler de la loi relative à la charte des partis politiques, de la loi relative au code électoral, principalement. Donc, il s'est agi, à l'arrivée, de trouver de nouvelles formulations pour corriger celles des dispositions de ces deux lois que je viens d'évoquer et qui ont posé difficulté aux formations politiques. La charte des partis politiques et le code électoral. La charte des partis politiques, d'une part, et le code électoral. Alors, il serait fastidieux de passer ces textes article par article. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces dispositions qui faisaient difficulté ont été revues et corrigées par les participants au dialogue politique et par le comité d'experts. À titre d'exemple, et ce n'est pas rien, concernant la charte des partis politiques, dont la coordination, par exemple, de l'admission d'un parti à un parti légal fait intervenir le ministère de l'Intérieur, qui peut corriger ou qui peut faire des observations, par exemple, sur la complétude ou non des documents fournis par le parti politique, il a été retenu, contrairement à ce qui se faisait, que le ministère de l'Intérieur, qui continue de jouer un rôle dans cette instance, fasse une fois pour de bon les observations sur les insuffisances présentées par les candidats, les partis candidats à l'agrément, à la reconnaissance. Donc, le ministère de l'Intérieur est tenu cette fois-ci de faire ces observations en une seule fois afin que le parti concerné puisse corriger les insuffisances et déposer à nouveau son dossier, contrairement à ce qui se faisait par le passé, à savoir que les observations pouvaient être relevées. Donc ce qui allège la tâche aujourd'hui, c'est qu'on ne doit plus faire un ping-pong, en quelque sorte, entre le ministère de l'Intérieur et le parti candidat, mais le ministère de l'Intérieur est tenu, une fois pour de bon, de relever... De faire ses corrections. De faire ses... Non, pas ses corrections, de relever les insuffisances. Les observations, j'allais dire. Les observations, ouais. Les insuffisances, etc. De sorte que lorsque le parti qui est destinataire de ces observations supplée aux différentes insuffisances et aux carences qui ont été relevées, il n'y a plus lieu de revenir là-dessus. C'est une mesure qui facilite l'adhésion ou l'agrément du parti politique sans que l'on suspecte ou que l'on soupçonne l'arbitraire du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une mesure qui facilite l'accès au plus grand nombre de ces partis politiques. Concernant le code électoral, dit d'exemple, nous avons vu ce que certains partis ont eu comme difficulté, à savoir la question, par exemple, de la possibilité de corriger les dossiers une fois déposés à la Sénat. Avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, si la loi est votée, il va être possible aux partis politiques, même après le dépôt de leur dossier à la Sénat, à la Commission électorale nationale autonome. Exactement, de pouvoir encore modifier ou corriger les erreurs matérielles, je dois dire. Il ne s'agit plus de changer la liste, il ne s'agira pas de changer les candidats qui ont été présentés, mais les insuffisances matérielles qui auraient échappé au ministre, qui auraient échappé aux dirigeants de ce parti, pourraient être corrigées, y compris au niveau de la Sénat, ce qui limite là également les cas d'exclusion. L'exemple le plus illustratif, c'est celui des doublons qui a été corrigé. Vous savez qu'en l'état actuel de nos textes, nul ne peut être candidat sur deux listes. C'est encore le cas demain. La différence, c'est que la sanction aujourd'hui, c'est que lorsqu'on constate qu'il y a une même candidature sur deux listes, eh bien, les partis politiques pollués sont éliminés. Aujourd'hui, il y a l'expression de la prépondérance du parti qui voudrait que le parti ne soit plus sanctionné, soit par cette erreur, soit par, on dirait, ce trouble. Quand un candidat aura réussi à se positionner sur deux listes, on ne sanctionnera plus les partis, mais on sanctionnera le candidat indélicat et on maintiendra la candidature du parti qui n'est pas toujours forcément responsable de ces doublons. Je pense que c'est une mesure qui vient considérablement alléger la difficulté donc, de la soumission des dossiers et c'est une revendication qui a été portée par l'un des partis et a été victime de ce genre de situation. Donc voilà des dispositions
fondamentale corrigée ou dont la correction est envisagée par le rapport et qu'on espère bien que l'Assemblée nationale prendra en compte. Alors, Monsieur le ministre, plusieurs articles, vous en parlez tout à l'heure, du code électoral, des changements, j'allais dire, sont apportés à plusieurs de ces articles-là. Dites-nous quels sont ces articles et quelles sont les éventuelles nouvelles reformulations. Mais c'est toute une liste. Le rapport a prévu une nouvelle reformulation. Je ne vais pas me mettre à lire, hein, sauf si vous m'autorisez. Allez-y, quelques-unes des articles. Ce qui est certain, c'est que des reformulations sont proposées. Oui. Nous avons, par exemple, au niveau des articles 21, 23, 25 de la loi portant charte des partis politiques, oui, on a proposé, par exemple, la formulation d'un article 21 nouveau qui dispose, dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution d'un parti politique n'est pas conforme à la loi, le ministre chargé de l'Intérieur procède à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés. Les observations du ministère de l'Intérieur sur la non-conformité sont faites en une seule fois aux partis concernés. Aucune autre observation ne peut lui être adressée. Cette notification intervient dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, comme indiqué à l'article 19 ci-dessus. Elle s'effectue par lettre recommandée, etc. On a proposé, par exemple, la formulation d'un article 23 nouveau qui dispose ce qui suit. Une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit après la délivrance du récépissé provisoire, soit d'office 2 mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au journal officiel. Je vous renvoie aux formulations des articles 21, 22, 23 et 25 initiaux, et vous verrez de l'achat des partis politiques. De l'achat des partis politiques, et vous verrez la différence. Le rapport a en outre fait carrément une proposition de loi modifiant et complétant le code électoral. C'est-à-dire qu'il y a un pré-travail qui a été fait à l'attention des députés qui pourraient très bien se contenter de ce qui a été proposé ou qui pourraient reprendre à leur compte et reformuler de manière plus adaptée, plus adéquate. Donc vous avez, par exemple, dans cette proposition, un article premier qui dispose ce qui suit. Les articles 45, 46, 47, 103, 118, 241, 242, 267 de la loi du 9 octobre 2018 portant code électoral sont modifiés et complétés, ainsi qu'il suit. Et vous avez toute une liste de propositions de formulation de l'article 46 nouveau, de l'article 47 nouveau, de l'article 118, etc. etc. Quels sont les centres d'intérêt, Monsieur le ministre, de ces nouvelles formulations? Mais les centres d'intérêt, c'est de faciliter l'admission, d'une part, de la candidature d'un parti politique, lorsqu'il voudrait se conformer à la nouvelle loi, et d'autre part, d'assouplir les conditions de dépôt des listes des candidatures au niveau de la CELA. C'est-à-dire que certaines dispositions considérées comme rigides, plus exactement comme rigoureuses, ont été assouplies afin de faciliter l'accès du plus grand nombre, du plus grand nombre de ces partis politiques à la candidature aux différentes compétition électorale. Donc c'est un travail de reformulation qui ne remet pas en cause fondamentalement l'équilibre voulu et le progrès voulu à travers les différentes lois portant charte des partis politiques et portant code électoral qui ont été adoptées en 2018 et qui ont mis en difficulté un certain nombre de formations politiques. Donc c'est un travail de relecture et de correction et surtout d'assouplissement des règles de la candidature plutôt qu'une remise en cause totale de l'équilibre du système législatif sur la question. Alors, des modifications ont été apportées à la charte des partis politiques et au code électoral. Le comité d'experts a également proposé des modalités pour l'accès au financement des partis, l'accès des partis politiques au financement public. Monsieur le ministre, quelles sont ces modalités? Les modalités, une fois encore, ne sont pas arrêtées. Il appartiendra
à la représentation nationale de trouver et d'adopter une loi qui pose les principes de cette répartition. Ce que nous avons dans le rapport, c'est une proposition, une orientation vers cette loi portant financement des partis politiques, financement public des partis politiques, et cela était déjà dans l'air du temps. Alors, ce qui va se faire, c'est qu'en attendant l'adoption d'un texte très équilibré sur le financement, l'ensemble du financement sur toute, de tous les partis politiques, il va y avoir une mesure transitoire sur le financement des partis en vue de la prochaine élection ou des prochaines élections. Nous savons que deux grandes formations qui sont représentées à l'Assemblée nationale, si on devait suivre les règles prévues, eh bien, tous les autres partis politiques se trouveraient exclus. C'est pour ça qu'il y a une phase transitoire qui suggère que l'on fasse financement de tous les partis politiques en fonction de critères presque égalitaires ou forfaitaires, en attendant la prise en compte des formations politiques qui auraient eu plus de représentants, par exemple, à l'Assemblée ou dans les élections communales, etc. Donc, la nouveauté ici, c'est que nous allons faire adopter une loi pour la première fois qui postule le financement public des partis politiques en fonction de critères et de paramètres qui seront retenus par nos honorables députés à l'Assemblée nationale. Je rappelle aux amis téléspectateurs qu'ils sont sur Golf TV Africa, en cours actuellement. Une émission spéciale avec le ministre de la Communication, porte-parole, le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Alain Sourou Orunla. Nous parlons avec M. le ministre du contenu du rapport remis vendredi dernier par le comité d'experts au chef de l'État. M. le ministre, d'après ce rapport, que va-t-il concrètement changer dans la loi portant statut de l'opposition? Il y a une loi relative déjà au statut de l'opposition qui n'a jamais été mise en œuvre faute de candidats. Il est apparu aux délégués qu'il fallait, aux participants au dialogue politique, qu'il fallait relire, actualiser et rendre plus effective cette loi. C'est ce qui a été retenu par le comité d'experts, donc qui pose donc le principe d'un statut de l'opposition avec des avantages qui seront conférés, bien sûr, à ceux qui rentreraient dans l'opposition. Il y a des propositions qui ont été faites. Qui doit-on considérer, par exemple, comme chef de file de l'opposition? Est-ce que c'est le candidat malheureux à l'élection présidentielle qui, de facto, deviendrait chef de file de l'opposition? Ou bien il s'agirait du chef du parti qui aurait le plus de représentants à l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est aux députés d'en discuter et d'arrêter les critères qui permettraient donc d'identifier ce chef de file de l'opposition à qui on conférera des avantages, pas forcément en nature, mais un accès équitable aux médias publics, une participation plus active dans la gestion et dans la formulation des initiatives. C'est au niveau, possible. C'est souhaité, c'est envisagé. Véritable, parce que la mouvance a besoin d'une opposition. Et nous avons une mouvance qui est tout à fait ouverte à la discussion, pourvu que cette discussion soit organisée et soit ordonnée. Donc, les conditions sont en train d'être créées pour permettre la contradiction et le débat politique entre gens qui ne sont pas forcément de la même tendance. Alors, il incombe évidemment, comme pour les autres dispositions, aux parlementaires de prendre leurs responsabilités et d'arrêter les critères donc, de l'identification du chef de file de l'opposition et des différents avantages ou paravents qui permettraient aux membres de cette opposition de participer efficacement à l'animation de la vie publique, à l'animation de la vie politique. Et si, après adoption de cette loi sur le statut de l'opposition, il n'y a toujours pas de candidat, vous l'avez soulevé, il y a une loi existante, mais pas de candidat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va proposer des mesures un peu plus incitatives, un peu plus attractives. Je crois que nous sommes en train de mûrir. C'est vrai que les dispositions antérieures n'ont pas paru suffisamment garante d'une certaine paix
au niveau de ces hommes politiques. Mais aujourd'hui, il y a un consensus qui s'est fait là-dessus. Je pense que l'état d'esprit des uns et des autres permettra à chacun de se retrouver, si tel devait être le cas, dans ce statut et d'accompagner la mouvance dans la conduite des affaires de notre pays. C'est un travail d'amélioration qui est attendu et je parie que les députés feront ce travail et permettront, puisqu'ils ont déjà expérimenté les uns ou les autres cette opposition, ça leur permettra de tailler un statut respectable et sécurisé afin que les candidatures soient spontanées. Monsieur le ministre, la loi sur l'amnistie a été agitée récemment, ça a suscité beaucoup de tollé, vous le savez. Est-ce qu'avec ce rapport, on en a une idée exacte du contenu de cette loi sur l'amnistie? Le rapport prescrit, ne confondons pas les rôles. Le comité d'experts a pour mission de formuler techniquement, de rendre digestes les recommandations. L'adoption de la loi incombe au Parlement. C'est le Parlement qui aura le dernier mot. Et le Parlement votera, puisque nous pensons que c'est une idée consensuelle, c'est une idée partagée par tous les animateurs des institutions, une loi d'amnistie dont l'effet sera d'effacer la faute commise ou reprochée ou imputée à ceux d'entre nos compatriotes qui se sont trouvés au cœur de l'agitation, au cœur des troubles infractionnels causés à la suite des élections législatives. Donc c'est une loi d'amnistie qui n'innove en rien, mais qui empruntera la même technique qui consiste à effacer la faute avant même qu'on la déclare faute. Et ça permettra à ceux qui se sont retrouvés dans les fers de la loi d'en être délivrés ponctuellement sur ces événements. Donc c'est le Parlement qui votera cette loi pour qu'elle puisse s'appliquer à tous ceux qui sont impliqués dans ces infractions. Et seul le Parlement pourra définir les termes en lesquels on arrêtera cette loi d'amnistie. Alors sur le sujet, évidemment que le comité d'experts a fait des suggestions, comme il en a pu faire concernant les différentes modifications suggérées, mais le dernier mot revient au Parlement. La recommandation dans le dit rapport ne sont que des suggestions, vous l'avez dit. Le gros lot du travail revient désormais au Parlement. À qui on a facilité la tâche, puisque chaque institution doit rester dans son rôle. Le comité d'experts n'est pas une institution. Le président de la République est une institution à jouer sa partition, c'est-à-dire à faciliter les discussions, à initier le dialogue politique, à inviter les institutions à collaborer. Le président de la République s'est engagé à faire son plaidoyer, un lobbying, pour que toutes les institutions jouent leur partition. Mais c'est à chacune de ces institutions qu'il incombe de jouer cette partition. Et le travail final incombe au Parlement dans son ensemble, c'est-à-dire à chacun des députés. Le président de l'Assemblée l'a souligné dans son discours, lui est convaincu, la conférence des présidents est certainement convaincue, mais il reste maintenant à chaque député de jouer sa partition afin que nous ayons la majorité qui se dégage en faveur des mesures retenues par le dialogue politique, donc que nous appelons des recommandations, la formulation technique retenue par les membres du comité d'experts et maintenant une loi en bonne et due forme, hein, selon une certaine articulation qu'il appartient aux seuls députés de voter, avec le travail qui leur a été facilité, notamment au travers des formulations. Donc nous ne pouvons pas tenir comme définitif les propos ou les propositions arrêtées par le comité d'experts. Seule la loi votée par les parlementaires nous fixera. Okay. Monsieur le ministre, le rapport a été remis dans une ambiance conviviale au palais de la présidence de la République, mais un sujet en gros est revenu, c'est la révision de la Constitution, un sujet qui a suscité beaucoup de remous par le passé. Le chef de l'État s'est prononcé sur ce sujet-là. Je vous propose de l'écouter et nous revenons juste derrière. J'ai noté, entendu dans les propos du coordonnateur du comité, un ou deux mots relatifs à la Constitution. Vous savez, monsieur le coordonnateur, monsieur les membres du comité, que
j'ai désormais une certaine aversion pour cette question. Que je l'ai dit ouvertement à plusieurs occasions que je ne souhaitais plus, durant mon mandat, en tout cas pour le reste du mandat, revenir sur cette question qui soulève beaucoup, beaucoup d'incompréhension et de polémique. Même si parfois le bien fondé n'est pas à démontrer. C'est vrai que, comme il faut le comprendre, sauf à trouver le contour juridique permettant la chose, les élections générales qui induisent forcément l'aliment des mandats appellent à revoir la durée du mandat des députés, ce qui est d'ordre constitutionnel. Il en est ainsi d'une disposition éventuelle permettant une meilleure représentation du peuple par les femmes. C'est-à-dire introduit une discrimination au profit des femmes qui pourrait être contraire aux principes de la Constitution. Donc le fait nécessiterait une certaine retouche de la Constitution. J'avais secrètement espéré que la mise en œuvre de ces recommandations puisse trouver une habileté juridique qui peut-être nous éviterait une retouche. Mais je sais très bien que même si le droit peut être parfois habilement utilisé, trouver le miracle de le contourner ou de le formuler de manière à atteindre les objectifs dans toutes les circonstances peut être difficile. Mais je voudrais vous exprimer mes inquiétudes, ma réflexion quant à ce processus de révision. J'aurais beaucoup de difficultés à accompagner une telle démarche et m'impliquer même dans sa mise en œuvre par sa promulgation si des modifications devaient effectivement être faites, si nous ne trouvons pas les moyens de formuler ces modifications, aussi minimes soient-elles, si nous ne trouvons pas les moyens d'évacuer les craintes des uns et des autres. Vous savez qu'un acquis important auquel nous sommes attachés unanimement dans le pays, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels au Bénin, quelles que soient les circonstances. Mais nous savons malheureusement que c'est devenu un peu la mode que, à l'occasion, ou bien chaque fois qu'une constitution est touchée, même simplement techniquement, pour régler un problème du moment, cette modification est évoquée comme changement de constitution, est présentée comme changement de constitution, l'instauration d'une loi de République, pour remettre souvent les compteurs à zéro, afin que le président, l'exercice pendant le mandat durant lequel la constitution est effectuée ou les mandats passés avant cette modification soit considéré comme zéro et que le chiffre 2, la limite des 2 mandats, commence à être décompté seulement après la modification, c'est-à-dire après ce que nous appelons nouvelle constitution. Et ça conditionne nos concitoyens de sorte que personne ne veut toucher la Constitution pour éviter ce risque-là. Mais moi-même, j'y tiens. Je suis également conditionné par ce risque, par cette interprétation. Je n'ai pas de doute sur mes pulsions personnelles éventuelles, sur ce que mon esprit est capable de faire ou de devenir. Je n'ai pas de doute là-dessus.
Mais nous avons l'obligation de disposer pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons l'obligation de prévenir également toute pulsion qui pourra venir de l'un quelconque d'entre nous demain. Et peut-être même de personnes qui utiliseraient, même si elle n'est pas encore connue aujourd'hui, elle serait tentée d'utiliser de telles modifications à des fins pour des intérêts personnels. Je n'ai pas tout le contour juridique de la question. Je l'exprime comme un citoyen ordinaire, comme un profane. Je le suis en la matière. Mais je voudrais donc que les uns et les autres aient cela comme boussole, afin que si on doit formuler une quelconque modification pour servir la cause qu'on vient d'évoquer, il faut impérativement trouver une formulation qui rassure tout le monde et qui empêcherait, dans tous les cas, en toutes circonstances, une quelconque interprétation de ces modifications pour remettre en cause ce pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation des mandats de président de la République. Si on ne parvient pas à le faire, mon lobby ne servira pas cette cause et je ne promulguerai jamais une constitution qui pourrait demain promulguer une modification constitutionnelle qui pourrait demain nous créer des histoires. C'est vrai, nous voulons progresser, mais nous voulons tenir compte de ce que nous sommes. Alors... Voilà, nous voulons progresser, mais nous devons tenir compte de ce que nous sommes, dit le chef de l'État, Patrice Talon. C'était vendredi dernier au palais de la présidence de la République. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes porte-parole du gouvernement. Vous êtes à même de nous expliquer cette position du chef de l'État, cette nouvelle position par rapport à cette question de la révision de la Constitution. Mais avant, nous allons dire un mot sur les élections générales avec l'alignement des mandats, la discrimination positive en faveur des femmes qui vont nous amener sur cette piste-là. Que dit le rapport à propos? Le rapport a retenu le constat des représentants de ce que notre peuple est sous-représenté par les femmes. Et pour que cela soit possible, il faut voter des dispositions afin d'instaurer une discrimination positive. Cela touche à la Constitution. Permettre que le peuple soit davantage représenté par les femmes. Il y a aussi le besoin d'aligner les élections, d'où l'idée d'élection générale, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des cycles d'élections sous un même mandat. Donc, il a été retenu qu'on organise une année électorale où le président de la République sera élu, les députés, les maires, où les élections vont se suivre pendant la même année, pour des raisons qui ont été débattues et sur lesquelles on a retenu que c'était plus économique et plus performant de rester sur une année électorale. Ces deux séries de dispositions, inévitablement, obligent à retoucher techniquement certains articles de notre Constitution. Il est aujourd'hui apparu que c'est une nécessité impérative, on ne peut pas reculer. Mais pour ce faire, il faut rendre ces mesures compatibles avec notre Constitution et plus exactement permettre à notre Constitution des ajustements pour que ces mesures puissent apparaître véritablement comme des mesures efficaces. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a besoin de toucher à la Constitution avant de promouvoir les femmes? Parmi les préfets, il n'y a qu'une seule femme. Au gouvernement, il n'y en a qu'une demi-dizaine. Est-ce que... il ne faille pas donner l'exemple d'abord avant d'aller sur cette piste-là. Ça se fait, et ça se fait difficilement. Et nous pensons que en prenant des mesures plus incitatives, des mesures de directives, je dirais en quelque sorte, le travail sera plus facilité. C'est la position qui s'est dégagée de toutes les discussions qu'il y a eu. Ce n'est pas la volonté du président de la République, c'est une recommandation issue de ce dialogue politique qui fait consensus parmi les acteurs politiques. Ils ont retenu
Il est de fait une nécessité de recourir à des ajustements de la Constitution pour rendre la chose possible. Ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est les élections générales. Parce que là, il y a des bouleversements prévisibles sur la durée des mandats, par exemple. Si nous voulons organiser toutes les élections pour des soucis d'économie et de rationalité dans la même année, il faudrait que les mandats soient alignés les uns sur les autres. Aujourd'hui, et d'ailleurs, le rapport fait la proposition, le mandat présidentiel est de 5 ans, le mandat des députés est de 4 ans. Pour harmoniser tout ceci, il faudrait soit que le mandat présidentiel soit aligné sur celui des députés, c'est-à-dire 4 ans, soit l'inverse. Il faudra bien opérer cette mutation avant que la chose, reconnue comme tous, en tout cas de manière consensuelle, comme pertinente, puisse se tenir. Et on ne peut pas procéder à cet ajustement de mandat sans toucher à la Constitution. C'est un impératif. Donc, dès lors, quelle est la question qui se pose? Eh bien, c'est de savoir si notre pays, qui a déjà montré par le passé une réticence à toute révision de sa Constitution, est-ce qu'on accepterait aujourd'hui que la chose puisse se faire, alors que c'est un élément, un facteur de progrès? C'est l'interrogation à laquelle le président de la République, par anticipation, a donné son sentiment qui est très clair, c'est qu'il est réticent à envisager une modification de la Constitution, bien qu'il intègre le fait que cette modification est impérative et participe donc du progrès de notre système politique. Monsieur le ministre, alors comment comprendre cette position aujourd'hui du chef de l'État sur la question? Le chef de l'État n'est pas sourd. Le chef de l'État, dans son projet de société, avait déjà envisagé la révision de notre Constitution. Et il n'y a pas grand acteur dans ce pays pour ne pas reconnaître que notre Constitution mérite d'être révisée. Le reste est une question d'opportunités, de circonstances, de dispositions ou de disponibilité d'esprit. C'est devenu une question très sensible, de sorte que le président de la République, qui a pensé pouvoir dérouler son programme et qui s'est heurté à des difficultés, a, pour reprendre ses propres expressions, une aversion pour le sujet. Ceci étant, on doit progresser. Et le président de la République a identifié ce qui fait peur dans la révision de la Constitution, ce qui effraie les gens, ce n'est pas forcément rationnel, c'est la tentation de déverrouiller les mandats, parce que ce à quoi notre peuple est attaché, ce à quoi tous les peuples qui sont dans la nouvelle démocratie sont attachés, c'est d'éviter qu'il y ait des manipulations qui permettent au président de la République de s'éterniser. C'est-à-dire, nul ne peut faire plus de 2 mandats, article 42 de notre Constitution. Si cette assurance est donnée, et c'est l'assurance que le président de la République a donnée en disant qu'il ne participera pas à une Constitution qui, dans sa révision, lèverait ses verrous, permettrait à quelqu'un, aujourd'hui, demain ou après-demain, parce qu'il n'y a pas que le président actuel dans la situation, permettrait à tout futur candidat au présidentiel de déverrouiller donc les 2 mandats, il ne s'associerait pas à une telle solution, il la combattrait bien au contraire. Alors je pense que c'est l'assurance suprême que le président de la République pouvait donner pour rassurer et prévenir d'éventuelles velléités d'instrumentalisation de ses propos ou de la Constitution, pensant qu'il s'agit d'une manipulation pour changer de République. Il maintient ces 2 verrous et je pense que c'est un gage suffisant pour permettre qu'on puisse opérer les réajustements nécessaires à l'évolution de notre système politique, à l'élaboration d'un nouveau système de compétition plus ouverte, plus équitable et plus rationnel. Que répondez-vous, monsieur le ministre, à ceux qui pensent aujourd'hui que c'est une nouvelle ruse du président de la République, c'est un nouveau détour pour réviser la Constitution? Vous avez lu la lettre ouverte de vos détracteurs qui, à l'entame du dialogue politique, ont dit que la finalité, c'est la révision de la Constitution. Écoutez, chacun est libre de ses opinions, chacun est libre de ses craintes. Mais de la ruse, je n'en vois nulle part, puisque
la révision de la Constitution a été ostensiblement agitée par le président de la République lorsqu'il fut candidat. Ce n'est pas une surprise déjà, dès l'annonce de sa candidature, il a dit que cette révision faisait partie du socle de sa gouvernance. Donc ce n'est pas de la ruse, c'est sorti à visage découvert. De la ruse parce que les partis qui ont participé au dialogue, presque la moitié, a acquis au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, les deux formations représentées sont acquises au chef de l'État. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais il faut partir des faits, il faut partir du début. Donc le président de la République a toujours montré son intention de réviser. Il ne s'agit pas de ruse, il ne s'agit pas de subterfuge. Une fois devenu président de la République, il a fait cette tentative. Pas en rusant, mais en posant clairement un problème, en disant « je voudrais que la Constitution soit révisée pour telle et telle raison », cette volonté n'a pas rencontré l'écho de l'Assemblée, quasiment la même qui est là aujourd'hui. Cette révision n'est pas passée. Il y a eu une deuxième sur initiative parlementaire, ce n'était plus le président de la République, parce que dès la première difficulté, le président de la République a dit « renoncer ». À cette idée de révision, puisqu'il a compris, et c'est aussi ça, un leadership éclairé, que le peuple ou ses représentants n'étaient pas prêts, n'étaient pas disposés à la chose. Ce qui explique d'ailleurs que la deuxième initiative fut parlementaire. Et le président de la République avait déjà émis ses réserves, bien que comprenant et soutenant l'initiative. Et après l'échec de cette deuxième initiative, le président s'est engagé publiquement à ne plus revenir sur cette question. On ne peut parler de ruse, sauf à anticiper ou penser que le président de la République a anticipé quelles seraient les recommandations du dialogue politique, alors qu'il s'est agi de constat. On est parti à ce dialogue pour revoir les textes de loi qui faisaient difficulté, à savoir loi sur la charte des partis politiques, loi sur le code électoral. On n'était pas parti pour avoir une plus grande représentation du peuple par les femmes. On n'était pas parti dans cette discussion pour anticiper sur l'organisation d'élections générales. Donc, c'est des choses qui se sont imposées. Et je pense que nous avons une garantie de ce que pourraient craindre les Béninois, pourraient craindre les détracteurs n'arrivera pas. C'est-à-dire que le président de la République s'est fermement engagé pour dire qu'il ne touchera pas à l'article 42. Qui verrouille les mandats et donc toute suspicion sur une instrumentalisation de la Constitution ou une manipulation pour s'éterniser au pouvoir reste aujourd'hui sans le moindre fondement. Alors, Monsieur le ministre, le rapport a été remis. La suite, c'est quoi maintenant? La suite, c'est que les députés reprennent la main et examinent ces formulations, les ajustent dans leur jargon et prennent l'initiative ou portent l'initiative de ces lois qui nous permettraient de corriger les dysfonctionnements que nous avons connus. Donc tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale avec l'œil évidemment attentif et vigilant du président de la République et de son gouvernement qui pense que c'est des mesures qui permettraient effectivement de sortir de l'impasse dans laquelle les incompréhensions étaient en train de vouloir nous conduire. La volonté est très clairement de faire participer tout le monde, c'est-à-dire toutes les formations politiques qui auraient fait les formalités, de les faire participer au débat politique. C'est le but de la gouvernance, d'assouplir et de permettre à ceux qui n'ont pas fait ou qui n'ont pas pu faire les efforts nécessaires de trouver des facilités, non seulement à se constituer en parti politique, mais également à pouvoir aller aux compétitions électorales sans trop d'exigences. Je crois que tout ceci participe du progrès dont nous avons besoin dans notre pays. Ça va aller plus vite du côté de l'Assemblée nationale, puisque vous avez dit que la tâche leur a été déjà facilitée. Nous espérons bien. Je pense que nos députés sont diligents, ils ont répondu à toutes les invitations, ils se sont engagés, pour ceux qui étaient là, à jouer leur partition. Donc le travail qui reste à faire, c'est de convaincre au besoin le maximum des députés afin d'obtenir la majorité requise pour que cette disposition puisse passer. Donc nous avons bon espoir que ces mesures seront adoptées le plus rapidement possible, afin que déjà, dès les prochaines consultations électorales, beaucoup de partis puissent aligner des candidatures et que ceux qui n'ont pas pu
participé. Je mets de côté ceux qui n'ont pas voulu, comprennent que le jeu est ouvert et que chacun peut venir démontrer de quoi il est capable sur le terrain. Non, la porte est ouverte. Mais la porte a toujours été ouverte, monsieur Aïtiedi. La porte a toujours été ouverte. Je pense qu'elle a été tellement que d'autres ont voulu lui tourner le dos, tout simplement. Et là, on ouvre encore un peu plus large pour montrer que le pays ne peut pas être dirigé par un clan. Ça n'a jamais été l'intention de qui que ce soit, pourvu que nous soyons tous dans un esprit républicain, dans un esprit de concorde et de paix et de dialogue. Monsieur le ministre, votre mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est de se rassurer de ce que le président de la République travaille pour l'avenir, pour les générations à venir, et est décidé, est résolu à corriger toute source de dysfonctionnement. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour que les bénéfices soient tirés, les dividendes soient tirés demain par les générations futures. Ce n'est pas des propositions de circonstances qui lui permettraient de s'éterniser au pouvoir, il a très clairement démontré. Et donc, en son nom et au nom du gouvernement, j'invite les acteurs politiques à un peu plus de modération et savoir saisir le sens de l'opportunité de participer et de faciliter ces différentes modifications qui permettraient un meilleur épanouissement de la chose politique et de la chose publique dans notre pays qui, je le répète, puisque le président de la République l'a répété, seul éternel. Monsieur le ministre, merci. Je vous en prie. Cette émission spéciale, j'allais dire sur EFM, émission spéciale qui a porté sur le thème dialogue politique et de la parole aux actes. Nous avons reçu pour vous Alain Sourou-Ronla, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir été à l'autre bout de cette communication. Merci d'avoir été à notre compagnie. Bon dimanche à toutes et à tous.